Donc c'est une purée de rutabaga aux pommes et épices douces. Donc en fait, on prend les rutabaga qu'on épluche, qu'on taille en morceaux. Les pommes granny, on les épluche, on les taille en morceaux. Ensuite, on met ça dans des sacs sous vide, dans un sac avec du piment doux, du curry et du 4 épices. Un peu de fond blanc. Et ensuite, on ferme le sac, on fait complètement le vide et on le poche dans un bain-marie à 85 pendant une heure. Après cuisson, on réouvre le sac, on égoutte ce mélange. Et ensuite, on le passe au blender pour vraiment avoir une purée très fine. On la détend s'il faut avec le jus qui nous reste, voire un petit peu, et un peu de crème si on veut rajouter un petit peu de crème pour couper un petit peu le goût.